C'est frais, c'est nouveau, c'est tout neuf. Voici l'un des premiers passeports biométriques camerounais délivrés en moins de 48 heures, compromis par la délégation régionale à la sûreté nationale. La remise officielle de ce précieux sésame a eu lieu ce 2 juillet 2021 au Centre national de production des passeports à Tongolo, à Yaoundé, au Cameroun. L'un des premiers bénéficiaires satisfaits raconte son expérience. L'enrôlement s'est déroulé tellement vite, à peine nous sommes arrivés en 10 minutes, voilà, on a été reçu, on a été traité. Et aujourd'hui, voilà, à 12 heures, c'est-à-dire en moins d'une journée, on a reçu le message qui nous demandait de repasser au Centre national de production de passeports pour retirer le précieux sésame. Alors, il est là. Nous sommes très satisfaits. C'est terminé pour les surfacturations des prix des passeports dits Express. Le nouveau système de production des passeports est rapide et sécurisé. Il n'admet aucune forme d'arnaque, selon le chef de la police. Pendant la cérémonie de remise des tout premiers passeports, ce dernier a mis en garde tout contrevenant en exhortant les citoyens à dénoncer les tracasseries vécues à travers l'appel du numéro vert. Ce système met un terme à toutes les tracasseries. S'il y a un problème, je venais d'indiquer, vous avez un numéro gratuit vert 1500 qu'on peut appeler de jour comme de nuit pour signaler les difficultés que vous avez. Plus besoin de se déplacer d'une ville à une autre pour l'obtention du nouveau passeport biométrique. Tout s'effectue en ligne en trois phases à travers le site www.pascam.cm. La procédure est simple. Ils peuvent effectuer une demande en temps réel, en ligne, et fixer un rendez-vous qui prendra 10 minutes sur place pour compléter l'enrôlement et attendre au plus tard 48 heures notre engagement de septembre dernier afin de retirer leur passeport. En outre, après 48 heures, les passeports sont empaquetés et acheminés vers les postes d'enrôlement des demandeurs qui reçoivent par la suite un message les invitant au retrait de leur dû. Le Centre national de production des passeports peut produire jusqu'à 5000 passeports par jour. Déjà vendredi dernier, 200 passeports étaient prêts à être distribués. 80 demandeurs ont répondu présents. À cet effet, le chef de la police invite les Camerounais au respect des rendez-vous tout en rassurant sur la validité des anciens passeports. Il faut prendre votre rendez-vous en ligne. On ne veut pas que les gens attendent là pour rien. Et quand on vous donne un rendez-vous, veillez bien le respecter. Le passeport est valable 5 ans pour le moment. 5 ans. Et donc, ceux qui détiennent les anciens passeports peuvent les détenir jusqu'à leur expiration. Le passeport biométrique camerounais est le deuxième le plus cher d'Afrique, 110 000 francs CFA, prix du timbre. Une somme que la plupart se dit prêts à débourser sans rechigner, à une seule condition, qu'il soit continuellement délivré dans un délai de 2 jours, comme déclaré.